Monsieur S.A.T. de la Funky. Très grosse plume qui venait du rap marseillais. Le personnage, moi, c'est mon enfance, c'est toute mon adolescence. Ben, je crois qu'il l'a pris, il l'a porté, il l'a baladé. Voilà, ça reste une légende, tu vois, une légende du rap français. Hein. Beaucoup de respect, beaucoup d'amour, no homo, comme on dit, aux States. D'une charismatique, très professionnel. Il a deux qualités. C'est un mec qui est instruit et intelligent. Si on s'en sort, que te dire de plus qu'en théorie, il représente quand même quelqu'un d'important dans l'histoire du rap français. Et ça, c'est mon pote, hein. On se connaît depuis longtemps. C'est un activiste, c'est quelqu'un qui est propre, c'est quelqu'un qui est à fond dans la musique. C'est un putain de rappeur, vrai flow, des vrais textes. Je pense que c'est quelqu'un qui est responsable et qui est doué, qui est talentueux et qui s'assume. C'est un grand mec déjà, à la base, tu vois. Humainement, après c'est un bon rappeur. Moi, Sam, je l'ai connu à l'école, tu vois, pour te dire, je le connais depuis longtemps. On va dire que c'est un incontournable marseillais, quoi, tu vois. C'est beaucoup de respect pour l'artiste, pour l'homme, c'est comme des grands frères un peu dans le rap. Donc, voilà. Plaisir de venir poser sur le premier. Voilà, t'as vu, on a grandi avec la FF, tu vois, Génération FF. Et maintenant, c'est devenu un ancien, ça, tu as vu. Quelqu'un de sincère, de reconnaissant surtout. Il est toujours au travail et que voilà, en plus, non seulement il est toujours au travail, mais en plus, comme je disais, il prend des risques. Donc, C'est pas donné à tout le monde, tu vois, je te dis. Et voilà, il rappe et c'est fait partie des gars quand il rappe, et, tu vois, je te dis, il ouvre pas sa bouche pour rien. Franchement, big up, respect à toi, frère. À l'abordage, mon soyons.